Je suis pas sorti hier, comment ça m'a fait du bien. T'es fou, depuis que je suis arrivé à Dubaï, tous les soirs je sors, frère. Oh là, c'est la première fois que je me mets un film. Ça fait 3 mois. C'est un truc de fou. En tout cas, la team, cette nouvelle année, faut pas que le corona il vous ronge l'esprit. La santé mentale, c'est hyper important. Oh là, faut pas que il s'empare des cerveaux. En tout cas, nous on est là, on le cirque, tout, on rigole, tout. Mais Inch'Allah, la team, cette année, faut tenir le coup. Là, c'est important pour toi la santé mentale. T'as envie de rien faire. Ça parle que de corona, de reconfiner, de nouveaux variants du virus, nouveaux. C'est chiant. Oula, je sais. J'ai mis 2 petites vannes, la team. Regardez. Si, ça y est, j'ai sauté le pas. Allez. En avant, tout traîner aux Invalides avec des carottes râpées et du taboulé. Allez, en avant. En France, dès que t'as une affaire qui marche, qui fait un peu de bruit, t'as plein de gens. Plein de personnes qui vont s'informer sur Watt. Ils vont essayer de trouver des infos sur Watt si t'es bien entouré, si t'as une équipe. Capté? Tu vois, ils vont essayer de s'informer. S'ils voient qu'il n'y a personne, s'ils voient que t'es mal entouré, entre guillemets, ils vont tenter des choses. Enfin, je dis, ils vont tenter des choses, t'as capté? Tu me comprends. Ils vont essayer de t'approcher, de te causer des ennuis, tu vois. Et ça, malheureusement, la team, c'est valable dans plein de domaines. La musique, le foot. La restauration, poteau. Oula, même la restauration. C'est un truc, je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que les mentalités en France, ça ne veut pas avancer, poteau. Et ça, malheureusement, c'est approprié à la France. Tu vois. Malheureusement, c'est sûr, il doit y avoir plein de talents, des vrais talents, tout, et ils se font refroidir à cause de ça. Tu vois le délire? C'est dommage, voilà, c'est dommage. Ça ne veut pas avancer, frère. Voilà, même la restauration, poteau. Sur le Coran. Je l'ai appris, j'étais, wesh, même un mec. Il y a une sandwicherie, frère. Les mecs, ils l'approchent pour tranquille. C'est la partie de l'iceberg que vous voyez pas, la team, ça. Voilà. C'est la partie de l'iceberg que vous verrez pas. Mais c'est dans tous les domaines. Musique, foot, je t'ai dit, restauration. Même dans l'influence, frère, qu'est-ce que tu me racontes. Même dans l'influence, frère. Même les réseaux sociaux, frère, qu'est-ce que tu me racontes. Malheureusement, frère, c'est une mentalité qui a des talents. Ils peuvent vous péter, mais à cause de ça, ils se font refroidir, ils stagnent. T'as capté? Tu vois, je parlais avec un mec, histoire vraie. Hein. Son resto, il cartonnait. Il avait un resto, ça cartonnait bien tout. Nan. Des mecs qu'il connaît, je sais pas, des mecs qu'il connaît tout, ils sont venus tout. Ouais, pourquoi tu t'es pas associé avec nous? Comment ça se fait? C'est pas comme ça, tout. Nan, nan. Il a dit, les gars, vous avez pété l'éponge, j'ai lancé mon affaire, tout, ça marche bien. Pourquoi tu veux m'associer avec toi? Quand ça marchait pas trop, vous étiez pas là. Maintenant que ça marche bien, vous vouliez vous associer avec quoi? Ah, puis s'embrouillait avec eux. C'est pas un soir, il passe en T-Max, il jette un cocktail Molotov sur son resto. Resto en miettes, enfin, resto fini. Voilà, en feu, tout brûlé. Qu'est-ce que tu veux faire, poteau?